c'est que j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un acteur de chair et de sang. Alors pour rappel, Vinland Saga est un animé. J'ai eu l'impression, en le regardant évoluer, de voir le grand père maternel de mon fils. Attention, pas dans les actes, mais dans la présence, je répète, pas dans les actes. Mais dans la présence, j'ai eu l'impression que cet acteur de chair et de sang jouerait euh, le cardinal de Richelieu dans son prochain film. Tu sais, ce n'est pas comme Luffy, Goku ou Naruto qui sont d'une certaine manière plus vrais que nature. Ce sont des personnages d'anime, plus vrais que nature. Là, on a affaire à un homme, un homme dans toute sa grandeur, un homme dans toute son horreur, un être limité par nature, comme toi et moi, qui n'aura de cesse, dès l'enfance, une enfance au combien brutale, de distendre ses limites en usant de toute l'intelligence possible. C'est un être élastique comme je les aime, comme je les adore. Attention, je vais spoiler, coco-cocotte. Spoiler comme un sagouin. Bouge tes oreilles ou pas, on sait que tu peux pas t'empêcher de m'écouter. Vinland Saga, c'est quoi hum... Comment dire ça c'est euh, c'est euh, 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 l'histoire d'un môme dévasté par le meurtre de son père et qui se jure de réserver le même sort au meurtrier nous sommes chez les vikings 11e siècle après jésus-christ Thorfinn, c'est le nom du môme bascule dans les ténèbres le temps d'un soupir passe de l'état virginal de sa condition d'enfant à l'état d'impitoyable machine à tuer les vikings, qui, je le précise, nous sont présentés comme des mercenaires à la solde des rois scandinaves, jouissent d'une solide réputation de batailleurs, de pillards, d'ours enragés, et vont justement constituer la nouvelle famille de Thorfinn, dont le père assassiné, à des fins politiques, était lui-même un putain de badass de viking, avant de raccrocher les gants, de raccrocher la hache et de se reconvertir Homme de famille, homme de paix. Thorz était devenu un homme de paix quand il a été assassiné. Son fils, Thorfinn, devient, pour le venger, un homme de guerre. Tu vois la boucle Le mercenaire que Thorfinn s'est juré de tuer en combat singulier, d'homme à homme, c'est Askelad. Askelad a fait tuer son père sous ses yeux, ses yeux d'enfant. L'enfant ne sait pas qu'Askelad n'est que comment dire ça n'est que l'exécuteur des basses œuvres euh, d'un autre homme plus puissant un autre homme plus puissant qui a ordonné le meurtre de Thors l'enfant restera candide même dans sa brutalité surtout dans sa brutalité tu vois il n'est qu'imprécation il n'est qu'éruption c'est un volcan sur pattes un extraordinaire manière de poignard un autodidacte de l'assassinat mais il est buté tu vois euh, il est buté voilà l'effet de sa candeur et de sa jeunesse. Il est buté, il ne comprend rien parce qu'il se ferme à tout vengeance et son vocabulaire, sa culture, la mesure de sa vie. Contre toute attente, Askeladd le prend sous son aile de mercenaire et l'embarque avec lui et sa troupe dans des aventures de plus en plus sophistiquées, de plus en plus politiques. Tu vois. Alors que Thorfinn euh, voit en ce coup de théâtre l'occasion d'assouvir sa vengeance, Askelad, lui, y voit l'occasion de tester les capacités du gamin et de développer son intelligence. Comme je l'ai dit précédemment, Askelad est un être limité, comme nous tous, qui a su distendre ses limites par l'intelligence, une intelligence de stratège, une intelligence industrieuse. Il aimerait faire profiter de cette intelligence industrieuse à un fils orphelin de son père. Rien n'est jamais laissé au hasard chez ce pourfendeur sanguinaire, génocidaire et régicide. C'est le roi des masques. Il n'est pas vraiment mercenaire, il n'est pas vraiment viking, il n'est pas vraiment insensible. Le voilà qui se sert de Thorfinn, se sert euh, du prince du Danemark, se sert de la colonisation de l'Angleterre par le Danemark, se sert de l'insoumission du pays de Galles envers l'Angleterre. Tu vois, l'Europe morcelée, déchirée du XIe siècle, c'est le terrain de jeu d'Askeladd, sa cour de récré. Ce qui ne l'empêche pas de former un rêve. Tu vois, tous ces stratagèmes découlent d'un rêve. Passer de cauchemar en cauchemar pour atteindre un rêve. Je te dirai pas lequel, mais si tu es breton, tu te doutes de ce que c'est. <laughs> Et j'ai bu qu'un seul café aujourd'hui, hein, promis. Askelad est hyper stylé, hyper stylé. Oh là là, en dépit de la boucherie contextuelle à laquelle il s'adonne, il est hyper stylé parce qu'il réfléchit quand les autres grognent. Quand les autres suivent. Il est élégant envers et contre son époque. Qu'est-ce qu'un vrai guerrier C'est la question leitmotiv de la série. Qu'est-ce qu'un vrai guerrier Alors, 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 ta Bjorn, l'ours enragé avec ses champignons hallucinogènes, l'ours mystique. T'as Torkel, le jouisseur, la montagne humaine qui ne vit que pour la joie du carnage. Alors Bjorn et Torquel sont hyper stylés par ailleurs. T'as Thors, le père de Thorfinn, le euh, Martin Luther King du Dracar, le non-violent, celui qui pense qu'un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée, n'a pas besoin de se battre, doit sortir de son enclos et voir le monde, le vaste monde. T'as le prince Knut. Prince du Danemark, le. Euh, comment dire ça le, le guerrier messianique, le prophète. Et puis tu as Askelad, dont le nom signifie couvert de cendres. Askelad, le roi des masques, le roi de la dissimulation. Qu'est-ce qu'un vrai guerrier À la fin de la saison 1, Thorfinn porte sur ses épaules. Le leitmotiv de la série. Il est buté, fermé à tout, malheureux, détruit, mais il est jeune. Tout jeune. La résurrection se profile. On va l'encourager, coco fin, Torfine, torfine, réveille-toi, réveille-toi, torfine, torfine, Valhalla, Valhalla. La saison 2, matin, pépette. On se retrouve après planche sur la question en attendant OK qu'est-ce qu'un vrai guerrier une vraie guerrière laisse-moi tes commentaires sous la vidéo Skrrr